Alléluia. Vous savez, tout à l'heure, le pasteur, Papa Diwa, me donnait un témoignage. Papa Diwa was giving me a testimony. Qu'il a reçu une maman ici tout à l'heure. He just received a mommy. Et elle lui a dit qu'elle veut être consacrée. Mais elle a un témoignage. But she has a testimony. Ça fait beaucoup d'années. It's about many years. Elle était mourante. She was about to die. Son beau-fils est pasteur dans une église de la place. Her son-in-law is pastor in a church. Elle était mourante. On l'a abandonnée à la maison. Tout le monde savait qu'elle mourait. Everybody knew that she was about to die. Elle m'a écouté prêcher à Canal 2. She watched me Canal 2. Et pendant que je priais à Canal 2, as I was praying, elle est tombée de son fauteuil. Elle a rampé jusqu'à la télé. She fell, she crumbled onto the TV. Et quand elle est arrivée à la télé, sur la télé, elle a mis sa main pendant que je priais. She put her hand on the screen as I was praying. Elle est tombée. She fell. Elle a commencé à transpirer. She started sweating. Elle l'a dormi pendant 4 heures. She slept during 4 hours. Quand elle s'est réveillée, elle était guérie. When she woke up, she was healed. Elle dit au pasteur qu'elle a cherché l'église fatiguée. She sought the church. À une époque, on avait mis les affiches dans la ville. And the temp posters were in the city. Et elle a vu l'affiche au niveau de Terminus. She saw poster at Terminus. Elle a vu l'adresse de l'église. She saw the address of the church. Elle est venue. And she came. Après, elle est repartie. After she returned. Elle est venue dire au pasteur aujourd'hui. She told the pastor today. Qu'elle fait un sacrifice d'action de grâce. She makes a thanksgiving sacrifice. Pour dire merci à Dieu parce que Dieu est passé par moi sans me connaître. Because God used me without knowing her. Pour la ressusciter. To raise her from there. Je le dis pourquoi? Why do I say it? Parce que nous. Elle nous a regardé à la télé. Because she watched us on TV. Où nous avons fait le sacrifice. So we made the sacrifice. Pour prêcher à la télé. To preach on TV. Il y a des gens qui ont payé cher pour qu'on soit à cette télé pour sauver la vie de cette femme. Some people paid the price for us to broadcast on TV to save the life of that woman. Nous sommes sur Internet. This morning we are on Internet. Quand tu dis d'inviter quelqu'un, ce n'est pas pour rien. Inviting somebody is not for nothing. Un dimanche ici. Sunday here. Je devais commencer à prêcher. Et I j'ai, to preach, comme d'habitude, commencé à louer Dieu. And I started praising God. Une fille qui venait ici, une sœur qui venait ici, elle a arrêté peut-être pendant 2 ans. A girl was coming here, stopped coming. Ce matin-là, elle avait perdu sa mère. That morning she lost her mother. Elle a dit, comme sa mère est morte, elle n'a plus de raison de vivre, elle se suicide. As her mother is dead, she wants to commit a suicide. Pendant qu'elle prend la décision de se suicider, as she's taking that decision, elle prend les médicaments pour boire. She drink medications. Elle ne sait pas comment son téléphone a fait pour tomber sur le direct. She doesn't know how she watched us on live. Elle a d'abord laissé les médicaments, elle a commencé à écouter comment on chantait. She first of all listened how we're singing. Une force, une joie, une paix s'est installée dans son cœur. Peace sat in her heart. Et elle a pris la décision d'arrêter le projet de suicide. And she decided to stop committing suicide. Aujourd'hui, elle est revenue à l'église. Today she returned to the church. Elle sert Dieu à l'église. She serves God in the church. Tu sais, you know, quand on te dit évangéliste, tu ne connais pas le nombre de personnes que tu sauves. You don't know the number of those you say who are evangelizing. C'est pour ça que je vous ai dit. That's what I told you. C'est nous qu'on insulte, ce n'est pas vous. We are insulted, not you. Vous prêchez seulement. You preach us. Invitez les gens à l'église. Just invite people in the church. Partagez. Share. Nous on nous insulte, vous avez mal à notre place, comment? We are insulted and how does it hurt you? Nous on nous combat, vous avez mal à notre place, comment? We are fought and how does it hurt you? Fais l'œuvre d'un évangéliste, l'apôtre Paul dit à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 4. Prêche la parole. Preach the word. En toute occasion favorable ou non. In every occasion favorable or not. Le serviteur Miguel. Servant Miguel. Beaucoup de ses amis sont morts dans l'explosion. Many of his friends died this night in explosion. Il y a un qui a été invité. One was invited. Et il n'a pas su, il s'est endormi. He fell asleep. C'est le matin qu'il voit les messages où les gars l'invitaient dans cette boîte de nuit. The morning he watched the message, he saw the message. Et quand il voit qu'il n'est pas mort, when he saw he's not dead, il dit qu'il rend grâce à Dieu alors que c'est lui qui insulte le Miguel chaque jour avec ses affaires de Dieu. He thanked God meanwhile he insulted Miguel every day. Les gens qui vous insultent quand vous prêchez Jésus auront besoin de votre Dieu. People who insult you when you preach Jesus will need your God. Les mêmes personnes qui vont affaire des églises là, un jour viendra. Same person who saw your churches one day will come. À te demander, tu dis même que l'église est à quel niveau? Where do you say your church? C'est quand la mort frappe que les gens cherchent Dieu. When death is near, people see God. Ne te fie pas aux choses que les gens disent contre les pasteurs. Look at what people say against pastors. Les gens vont courir dans les églises. They will run to church. Oui. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1, il est écrit. Il est écrit. Je t'en conjure devant Dieu. Je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants et les qui morts. Qui doit juger les vivants et les morts.
et au nom de son apparition et de son royaume, mm-hmm. prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Mes amis, plusieurs de ceux qui meurent précocement à nos côtés meurent à cause de nous. Many of those who died prematurely yes. by our side died because of Parce us. Qu'on a eu honte de leur parler de Jésus. Because we were ashamed to preach them the gospel. Non, quand ils entendent seulement les affaires des églises, ils ne veulent plus rien entendre. When it's just a matter of churches, they are vexed. Alors qu'il est sacrifié. Meanwhile, he's already sacrificed. La Bible les appelle les hommes animaux. The Bible called them man without L'homme spirit. Animal ne peut pas accepter naturellement les choses de l'esprit. The man without spirit cannot accept what concerns the spirit. Pendant que tu prêches, tu dois implorer la grâce de Dieu sur sa vie. While you preach, implore the grace of God upon Parce his que life. Il ne peut pas accepter Jésus si Dieu ne lui fait pas grâce. He can't accept Jesus if God doesn't grant him the grace. Nous ne sommes pas là parce qu'on est les meilleurs ou les plus intelligents ou les plus conscients. You are not here because you are the best or the most conscious. Nous sommes là parce que le Seigneur nous a fait grâce. You are here because Amen. The Lord gave Et us Il ne peut sauver les autres que s'il leur fait grâce. He can save others only if he Ta grants mère que grace. Tu aimes tant Mother, you love so much. Combat les églises. Fight churches. Ta mère qui te donne, qui te paye la maison the mother who pays your rent. Insulte ton pasteur. Insult your pastor. Prie pour elle Pray for her. Qu'elle ne meure pas not sans avoir accepté Jésus. Without accepting yes. Jesus. Ne te cache pas en venant à l'église. Don't hide yourself while coming to the church. Tu es déjà majeur. Ne te cache pas en priant. Don't hide yourself while Ta praying. Famille aura besoin, a déjà besoin de ce Dieu. Your family already needs that God. Pour un début, elle ne peut pas comprendre. She can't understand in the beginning. Mais Dieu dit à Timothée, insiste. God told Timothy to insist. Insiste en toute occasion. Insiste. Favorable ou non. Favorable ou non. Quand vous allez parce que vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas d'abord prêcher. Prêchez comme vous êtes. Preach the way you are. Tu n'as pas l'argent, prêche. If you don't have money, preach. Quand tu auras l'argent, tu vas prêcher. When you have money, you tu n'es pas marié, prêche. Étant marié, tu vas encore prêcher. Amen. Tu n'as jamais voyagé, prêche. Never traveled, preach. En voyageant, tu vas prêcher. Traveling, you will preach. En toute occasion, favorable ou non. Oui. Reprends. Reprends. Censure. Censure. Exhorte. Exhorte. Avec toute douceur et en instruisant. Et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Tu vois donc qu'il y a des gens. Il y a people. Préfèrent. People prefer. Dormir en boîte de nuit. Sleep in the nightclub. C'est normal. It's normal. Mais pas aller à l'église. But not go to the church. C'est un scandale dans ta famille qu'on apprend que tu vas dans les églises. It's a scandal in your family when people learn you go to churches. Mais ce n'est pas un scandale quand on apprend que tu vas chez les marabouts. It is not a scandal when they learn you go to the witch doctors. Tu connais quelle famille qui a été scandalisée parce que les gens vont chez les féticheurs? What family do you know that was scandalized because people go to the fetishes? Mais dès qu'on apprend que tu vas dans les nouvelles églises, on fait réunion urgente. When you learn you go to new churches, they organize an urgent. Alors qu'ils ont besoin de Jésus. Meanwhile, they need Jesus. Donc dans ces temps-ci. In these days. Donc le vrai, il dit, le serviteur Miguel dit, quand il envoie les publications de l'église, tout le monde l'insulte. When he posts what concerns the church, everybody Et comme lui-même dit qu'il est grillé, he's already zealous. Cabri, moi, on a pris peur du couteau. C'est ça. Nous, on est grillé depuis. Hein. Amen. Mais toi, dès qu'on insulte un peu, tu as honte, tu effaces vite. Le même qui insulte là, la nuit, quand il couche de nuit, il va venir regarder le culte en cachette. Si Dieu pouvait vous révéler comment les gens qui nous insultent nous cherchent quand ils ont les problèmes, vous allez arrêter d'avoir honte de leur prêcher Jésus. Yes. L'homme n'est rien. Man is nothing. Quand quelqu'un a un peu d'argent, une petite voiture, le mépris monte dans sa tête. When somebody has a car, he becomes Mais quand spiteful. La mort frappe, When death strikes, calciné, burnt. C'est là que tu dis, ben, le milliardaire qui vient de payer 8 champagnes. That's how you wonder about him. Calciné, calciné, calciné. Et si Dieu t'avait mis sur son chemin pour lui prêcher Jésus. If God had put you on his way to preach him, Jesus. Il y a des gens ici, quand vous n'avez pas l'argent, vous parlez de Jésus. When you don't have money, you talk about Depuis Jesus. Que tu as le travail, non, je suis trop occupé avec un mépris incroyable. Since you work, you think you're so busy. Tu es trop occupé. You're so busy. Tu es trop occupé. You're so busy. Plusieurs cette nuit ne savaient pas qu'ils n'allaient pas voir le lendemain. Many this night did not know they would have seen the tomorrow. Qui t'a dit? Who told you? Comme tu refuses de servir Dieu là. As you refuse to serve God. Que tu vas voir dans une semaine. That you will still live in one week. Je vois des gens dans la ville de Yaoundé. Il est à Yaoundé, mais il suit tous les cultes en direct sur Facebook. I see people in Yaoundé who watch us on live on Facebook. Ma sœur, tu es en direct alors que tu es à Yaoundé, de venir à l'église. Le direct, c'est pour les gens qui sont à l'étranger. Life is for those who are tu es à Yaoundé. Yaoundé.
Hey! Et il est, elle fait les plus gros commentaires. Amen, alléluia, je scelle. Regardez, ça vous amuse peut-être, mais c'est un scandale spirituel. C'est un sacrilège. Tu ne peux plus, tu es arrivé à un niveau où tu es trop arrivé, tu as trop d'argent, tu as réussi. Tu ne peux plus te déplacer pour aller à l'église. Reach a level where you can no more displace to come to the church. Il y a des gens ici qui quittent Ahala. Some people leave Ahala. D'autres quittent Minkan. Others Minkan. D'autres quittent Komtu Eban. Others Eban Komtu. Pour venir à l'église. To come to the church. Quand tu commences à trouver les raisons pour ne plus servir Dieu, fais attention. When you start finding reasons no more to serve God, be careful. Parfois la mort n'est pas loin. At times death is near. Quand le diable veut te frapper, il t'enlève du feu. When the devil wants to strike you, removes you from the fire. Et chaque morceau de bois qu'on enlève du feu chauffe encore un peu. Every piece of wood that is removed from the fire. Progressivement avec le temps. Progressively with time. Tu vas te refroidir. You become cold. Après, on va te lancer un petit poison. After that, we'll send you et tu meurs 6 mois après. Oh, that's 6 months later. Ce n'est pas le jour qu'on te tue que tu meurs. It's not the day where you are killed that you toute die. Personne qui quitte la présence de Dieu, son visage fane. Every person who leaves the presence of God, their face changes. Toute personne qui quitte la présence de Dieu perd la joie de Dieu dans son cœur. Every person who leaves God's presence leaves the joy of God in their heart. Je vais vous dire une vérité avant de commencer ma prédication ce matin. I want to tell you a truth before starting my prayer. Ne venez pas à l'église pour nous. Don't come to the church for us. Ne venez pas à l'église pour nous faire plaisir. Don't come to the church to please. Chacun cherche Dieu. Each of you seek God. Si tu viens à l'église parce que ton père t'a menacé, if you come because your father threatened you, tu n'as encore rien compris. You have not yet understood anything. Si tu viens à l'église parce que ton fiancé t'a menacé, if you come to the church because your fiancé, tu n'as encore rien compris. You have not yet understood anything. Si tu es ici parce que ta femme t'a menacé, if you are here because your wife threatened you, tu n'as encore rien compris. You have not yet understood anything. Je prie que Dieu vous fasse comprendre pourquoi on le cherche. Pray for God to make you understand why we seek him. Avec tout ce que vous savez là. With all what you know. Avec tout ce que vous savez là. With all what you know. Tu as Yaoundé. When Yaoundé. Dimanche tu viens pas. Sunday you don't come to the et church. Les gens même de dimanche là, vous êtes dangereux. Those who come only on Sunday you are dangerous. Quelqu'un m'a posé la question, je me dis à mon révérend, vos affaires là c'est chaque jour. Somebody asked me every day you go to the church. Donc on doit prier, on doit partir à l'église chaque jour. So you have to go to the church every day. Et je lui ai répondu donc tu manges chaque jour. And I replied so you eat every day. Tu peux m'expliquer pourquoi tu dois manger chaque jour? Can you explain me why you must eat every day? Pourquoi tu manges chaque jour? Why do you eat every day? À partir de maintenant, espace les jours. As from now. Mange lundi, mercredi, vendredi. Le monde a réussi. Même certains pasteurs. Even some pastors. Trouvent que. Think that. Aller à l'église là, c'est exagéré. Going to the church is overstated. Même certains pasteurs. Even some pastor. L'église peut être ouverte chaque jour. The church can be open every day. Tu viens, tu sais ce que tu cherches. You come and you know what you want. Tu rentres chez toi. You go back home. Il y a des gens ici tout. Quand ils travaillaient, some people when they were working, avant, quand ils finissent le travail, after the job, chaque jour, il part au bar, il boit ses deux bières, il rentre chez lui. Every day chaque jour, beer house to drink beer, deux bières. Two beers. Il y a même d'autres qui font ça jusqu'à présent. Others are doing that till now. Pendant qu'ils boivent, ils fument même. While you drink, you smoke. Ils sont à l'église. In the church. Mais venir à l'église chaque jour, c'est un problème. But coming to the church every day is a problem. Le diable a réussi à vous faire comprendre, à vous faire croire que the devil has succeeded to make you believe that problème à l'église, problem in ou bien the l'église est un problème par rapport à la boîte de nuit. The church is a problem compared to the night club. Si le problème venait d'une église, the problem was coming from a church. Si ça se passait dans une église, if it was happening in the church, c'est que Facebook a pris feu. Parce que actuellement l'église c'est un problème. Because presently the church is qui a rendu ça comme ça? Who made it like that? C'est le diable. Devil. Voici la semaine. This is a week où nous devons être consacrés. Where we have to be consecrated. Toute l'église aussi doit être consacrée. The whole church must be consecrated. Tu es à la maison, à la mère, tu dors, tu sais pas combien inviter ta fille dans un tuyau là. Dans la boîte de nuit. Hein. You don't know your daughter was just invited in the night club. Tu te lèves le matin, tu ne la vois pas. Wake up in the morning, you don't see her. Quand on vous dit consacrer vos enfants, vous ne comprenez pas. When you are taught to consecrate your children, you don't understand. C'est Dieu qui nous garde. God is the one who keeps us. Parfois, quelqu'un ne sort même plus depuis 6 mois. Then somebody no more goes out. Mais quand la mort t'appelle, when death calls on t'appelle you, à 22h, tu dors, ta vie dort. You are called at 10 p.m., you sleep your night. Les mbengistes sont là. Et tu sens comme si le courant montait dans ton corps. Brum, 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 brum. Là, tu t'habilles, tu te maquilles, tout ça, tu te retrouves. Tu pars t'asseoir.
et tu commences à snapper les champagnes. Tu ne sais pas ce que le diable a préparé. La mère, même si ta fille a fait semblant d'être gentille ces jours-ci, il faut la consacrer. Even if your daughter pretended to be kind those days, consecrate. Quand tu consacres, on prend ta vie, on donne à Dieu. When you are consecrated, we take your life, we give it to God. Et c'est Dieu qui gère tes lendemains. And God is the one who takes care of your tomorrow. Écoute-moi. Listen. Même s'il faut aller prêter, emprunter l'argent à la tontine. Even if you have to borrow money, consacre tous tes enfants. Consecrate all your children. Même ceux qui ne viennent pas à l'église. Even those who don't come to Je the church. Je te dis la vérité. I tell you the truth. Perdre un enfant qui pouvait nous rapporter des milliards. Losing a child that could bring you billions est un sacrilège. Is a sacrilège. C'est vous qui jouez avec la mort. Hein. You're the one who play with death. Moi, mathématicien, la mort coûte cher. Hein. Death. Pour moi, en tant que mathématicien, la mort coûte cher. Death is so hard to live. La mort coûte cher en termes d'argent. In term of money. Je ne dis pas organiser les obsèques. I don't say to organize the burial. Je dis ce que la personne pouvait rapporter à la famille si elle vivait. What the person could bring to the family if she was alive. J'aime souvent faire des calculs assez simples. I like to make simple calculus. Une personne qui pouvait avoir un salaire de 500 000. A person who could have a salary of 500,000. Par mois. Monthly. C'est-à-dire que minimum tous ses revenus par mois, les farotages, tout ce que ça comporte, 500 000 par mois. 500,000 monthly. Si la personne là meurt, if that person dies, l'année là, that year, la famille perd 6 millions. Family loses 6 millions. 10 ans, 10 years, la famille perd 60 millions. The family loses 60 millions. Ça, c'est le minimum qu'une personne peut rapporter. That's a minimum a person Imaginez si la personne pouvait rapporter 2 millions par mois. Imagine the person could bring 2 million monthly. Ses business, ses affaires, ses relations. Business relationship. En un an, one year, la famille perd 24 millions. The family loses 24 millions. 10. 240 millions. More than 200 Quand millions. Vous perdez les gens When you lose people, qui pouvaient vous rapporter, were able to make you gain. Sachez que le diable vous a frappé. No, the devil struck you. Le salaire que la personne là pouvait ramener à la famille, quelqu'un d'autre va ramener ça dans sa famille. The salary the person could bring in a family, someone else will bring that to his family. Quand on dit prions pour nos gens, we say let's pray for our people. Même si la personne est à l'étranger, even if the person is abroad, viens avec son nom ici. Bring her name here. Ton enfant te dit au revoir, bonne nuit maman, à 22h. 22h30, le téléphone du diable l'appelle. 10:30 p.m., the phone of the devil calls. Bonne nuit dans la même maison, tu as fermé la porte. Tu savais pas que l'enfant a les clés. The child has a key. Et quand le téléphone du diable appelle quelqu'un, même s'il est calé, il va se lever pour partir. Parce que la mort l'appelle. Et la mort va t'appeler pourquoi? Parce que tu n'es pas couvert. Tu n'es pas couvert pourquoi? Parce que tu n'es pas consacré. Chacun de nous ici, each of us here, non seulement on doit être consacré, we must be consecrated, mais tous nos enfants. But all our children too. Si tes enfants sont inconscients, if your children are unconscious, si tu peux encore leur parler, non, elle est à grande fille, la mort ne connaît pas l'âge, te frapper. Ta fille qui dit qu'elle est grande, là, si elle tombe malade, c'est pas toi qui vas aller la laver à l'hôpital. Si elle tombe malade, maintenant, tu vas aller la laver à l'hôpital. Tu vas lui donner la bouillie dans la bouche. Il n'y a pas grand dans l'affaire du spirituel là. Quand le diable a enchaîné quelqu'un, il n'est plus grand. Il faut le sauver. Parmi tes enfants, il y a des inconscients. Cette semaine, tu dois leur parler fort pour sauver leur vie pour cette année. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le grand jour. Jésus à ma place mourut sur la croix, il m'offre sa grâce. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Oh, yeah, yeah. Dans mon âme noire s'est levé. Jésus à ma place. Chante gloire à Dieu. La terre, de Jésus, la joie, emporte selon sa promesse. Jésus songera de l'on allégresse. Chante gloire à Dieu.
que tu veux bâtir quelque chose, every time you want to build something, commence par à te poser la question, qu'est-ce sera l'ampleur de ce que je veux bâtir? What will be the goal of what I will build? Quelle sera la portée de ce que je veux bâtir? What will be the Lorsque tu veux bâtir une relation, when you want to build a tu veux fonder une famille, you want to found a family, commencer un ministère, start a ministry, la question à se poser, question you must ask quelle yourself, sera l'ampleur de ce que je veux faire? What will be the goal of what I want ne to faire do? Rien. La Bible dit, quel est cet homme qui veut construire une maison, ne s'assied pas d'abord. Who wants to build a house and doesn't sit first? Et calcule pour savoir s'il aura les moyens de commencer et d'achever l'œuvre. Calculate to know if you will start and complete the Alors, work. Je te commence par te dire ce matin quelque chose. I start telling you something this en morning, cette saison, in this season, tout ce que tu voudras faire, all what you would like tout ce que do, tu voudras devenir, all what you would like to tout ce become, que tu voudras obtenir, all what you would like pose-toi to obey, la question, question quelle sera l'ampleur de cela? What will be the size of quelle that? Sera l'ampleur de cela? What will be the size Et si of tu that? Trouves une réponse if you find an answer à cette question, that question si tu trouves une réponse à cette question, to find an answer to deuxième question, second quelle point, sera la fondation, what will be the foundation de cet édifice? Of that edifice. La fondation est la partie la plus importante d'un édifice. The foundation is the most important part of an edifice. La partie invisible mais la plus importante. The invisible but the most important. Nous l'avions dit au culte précédent. We said it in the previous service. Enlevez cette fenêtre, remove the window, la maison ne tombe pas. The house won't collapse. Changez de porte, change the door, la maison ne tombe pas. The house won't collapse. Enlevez même la toiture, remove the roof, la maison ne tombe pas. Mais toucher à la fondation, tout est à terre. La Bible dit dans Psaume chapitre 11 verset 3, lorsque les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Lorsque les fondements sont mauvais, ta justice ne te servira à rien. Lorsque les fondements sont biaisés, lorsque les fondements sont remplis d'envoûtement, même si tu aimes Dieu comment, tu n'iras nulle part. Nous lisons Psaume chapitre 11 verset 3, il est écrit. Il est écrit quand les fondements sont renversés. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Que fera celui qui aime Dieu? Que fera celle qui aime le Seigneur? Do he or she will si love ta the famille Lord, a des mauvaises fondations, your family has bad foundations, tu n'attireras que les gens liés à cette fondation. You only attract people linked to that foundation. Tu verras quelqu'un te dire, moi je ne comprends pas ma vie. I don't get how my life is. Il n'y a que les satanistes qui m'approchent. Only satanists can close tu to attires me. Ce que dit ta fondation. Attract what your foundation si says, tu tombes seulement sur les gens qui te maltraitent, only follow those who treat ce you. Ne sont pas les gens qui te maltraitent qui sont le problème. They are not the problem. Si une personne te maltraite, one person if ça peut arriver, mais deux, two, trois, three, quatre, four, pose-toi la question, question yourself, que disent mes fondations? Le problème say, que tu as, problem, toutes les personnes que tu rencontres, ça commence bien, well, mais dès que tu conçois, conceive, les problèmes commencent. Come. Au début, il veut t'épouser, quelques semaines après, il ne veut plus t'épouser. Écoute-moi bien, well, il peut arriver que toi, tu as des fondations qui bloquent le mariage, et celui avec qui tu es a les mêmes fondations. C'est la raison pour laquelle quand tu es fiancé, cherche ta délivrance et ton conjoint cherche sa délivrance. Si tu es délivré et tu marches avec quelqu'un qui ne veut pas la délivrance, ça va vous créer des problèmes. Je le disais vendredi en mathématiques, moins fois plus c'est moins, plus fois moins plus c'est moins. Donc si ta fondation est bonne, foundation is sa fondation est mauvaise, foundation is bad, vous allez échouer. You will si ta fondation est mauvaise, foundation is bad, sa fondation est bonne, foundation is vous good, allez échouer. You will fail. Que disent tes fondations? What do your foundations say? Tu ne tombes que sur les gens qui t'escroquent. Only fall on those who croak you. Il vient avec apparence de riche et de grand. Visibly is rich and great. À la fin, c'est toi qui dépenses tout ton argent. At the end, you spend all your money. Tu ne tombes que sur des personnes qui te manquent de respect. You only encounter those who disrespect you. La question que tu dois te poser, question you must ask yourself, que disent mes fondations? What do my foundations ce say? Que tu attires, what you attract, est fonction de tes fondations. Depends on your foundation. Ce que tu fais, what you do, est fonction de tes fondations. Depends on your foundation. Tout ce qui a derrière une personne, all what is hidden behind a person, tout ce qui a derrière une personne, all what is hidden behind a person, c'est ce que disent ses fondations. Is what her foundation donc la fondation est la partie la plus invisible mais la plus puissante d'un bâtiment. Foundation is the invisible but the most powerful. La fondation détermine la stabilité ou l'instabilité d'un édifice. The foundation determines the stability or
stability of avant de combattre quelqu'un, pose-toi la question, quelles sont ses fondations? For finding somebody, question yourself, what are his foundations? Avant de faire une attaque contre quelqu'un, pose-toi la question, quelles sont ses fondations? For attacking somebody, wonder what are his foundations? Tu es stable financièrement? You're stable financially. Ou instable financièrement? Unstable financially. En fonction de tes fondations. Depending on your foundation. La maladie là. Sickness upon sickness. C'est une affaire de fondation. It's all about foundation. Depuis quelque temps, tu es malade sur malade. Maladie. Sometimes you go sickness upon sickness. On prie, ça passe, ça revient. We pray, disappear, so it comes on prie, ça se calme, ça revient. It comes back after pose-toi it disappear. La question. Question yourself. Que disent tes fondations? What do your foundations chaque say? Bâtiment épouse la forme de sa fondation. Every building takes the form of its foundation. La forme de ta vie est fonction de la fondation établie par ceux qui ont établi la fondation. The form of your life depends on the foundation established cette by those semaine, who established je te parlerai foundation. De comment est-ce qu'on bâtit ou on renverse les fondations. How to build or break down foundations. Mais je suis en train d'introduire seulement mon message. I just introduce my message. Les gens du dimanche, si vous ne venez pas à l'église en semaine, ça c'est votre problème. Écoute, si ta fondation t'impose de toucher 100 000, if your foundation imposes you to touch 100,000, si tu trouves un travail de 1 million, l'entreprise va tomber en faillite. If you find a job of 1 million, the company will fall bankrupt. Il y a des gens, leur fondation impose la pauvreté. Dès que tu épouses la personne, toi-même tes affaires tombent. For some people, foundation imposes poverty. When you marry the person, your business falls down. J'ai donné le témoignage ici. L'année passée, j'ai prêché sur ce message. I preach on this message. Elle est venue me voir. She came to see me. Elle me dit, papa. Daddy. Je sors d'une église. Coming from a church. Le prophète a vu clairement que avant la fin de l'année, j'ai le travail dans une ONG. Professor, clearly before the end of the year, we work in an NGO. J'ouvre une parenthèse. I open a break. La prophétie n'est pas la délivrance. Prophecy is not deliverance. Je répète, la prophétie n'est pas la délivrance. Prophecy is not deliverance. Si on a prophétisé sur toi, the professor on you. Maintenant cherche la délivrance. Now seek deliverance. La prophétie te dit ce que Dieu veut faire. Prophecy tells you what God wants to la délivrance do. Ouvre la voie pour qu'il fasse. Deliverance makes a way for him to do. Je te vois marié. I see you married. C'est la prophétie. It's prophecy. Cette année tu vas réussir. This year you c'est la prophétie. It's prophecy. Combien ont réussi après la prophétie? How many succeeded after the prophecy? J'ai donné ce témoignage ici plusieurs fois. I gave the testimony many dans l'église times. Où on était, the where we were, l'homme de Dieu un dimanche, man of God a Sunday, il lance des sacrifices, 100 000. Pendant qu'on est devant, as you're in front, il dit, toi, je te vois ministre dans ce pays. As you're minister in this country, et le monsieur dit à l'homme de Dieu, the mon man fils of God. De 7 ans a eu la prophétie, a eu le rêve là cette nuit. My son of 7 years had a dream this night. Le prophète a vu, prophet saw, le fils a vu. The fils saw, donc il n'y a pas mensonge. Saw, there is no lie. Mais le monsieur est mort récemment sans entrer au gouvernement. But the man died recently, qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? La prophétie prophecy. A rencontré les mauvaises fondations. Met bad foundations. Si ta fondation ne te permet pas de dépasser le stade de chef service, if your foundation doesn't enable you tu ne seras jamais sous-directeur. You'll never be assistant manager. Même si on te dit, écoute, celui qui est ministre, c'est ton, c'est ta personne. He was minister is your person. Quand les nominations viennent, il y a toujours un faux problème qui fait en sorte qu'il ne veut même pas te sentir. The time of nomination, no one wants to see your parce que ta fondation ne permet pas à ce qu'on te mette sous directeur. Your foundation doesn't enable you to be appointed. Si tu veux construire un immeuble de 3 niveaux avec les parpaings de 10 à la fondation, if you want to build a great building with l'immeuble stones, là va s'écrouler sur toi. That building will collapse on toute you. Personne qui aspire à la bénédiction, à la grandeur avec les petites fondations, la bénédiction va les tuer. Every person who aspires to greatness with small foundation. Ne cours pas derrière les choses que tu ne peux pas supporter. Don't run after what you cannot support. On va te nommer parce que tu es ambitieux. You'll be appointed because you're mais ambitious. Si ta fondation n'est pas bonne, but if your foundation tu vas finir en prison. You'll finish in prison. Comme tu as le travail, tu es un directeur, tu es assis, tu manques de respect aux hommes de Dieu, tu manques de respect à Dieu là. Attends, un seul problème, tu vas chercher l'église. Wait, when you have a problem, you will seek the church. Tu me regardes à la maison, je ne souhaite pas ton malheur, mais je te dis la vérité. I tell you the truth, I don't wish your si evil. C'est Dieu qui t'a élevé. If God is the one who lifted you up, laisse Dieu continuer à travailler tes fondations. Allow him to keep on working parce your foundations. Parce que toute élévation qui vient de Dieu because every elevation coming from est protégée par Dieu. Is protected yes. By God. Maintenant, si on a fait ça dans les choses bizarres que vous faites, vous mélangez église et vos choses là. If you had that in world things, ne viens plus à l'église. No more come to the church. Parce que quand ça va arriver, on va mettre ça que mais il y avait un pasteur. Non, je ne suis pas dedans. I'm not involved. Ils sont nombreux à l'église church, qui mélangent. Mix. Ils mélangent. Mix. Ils viennent à l'église, ils vont chez le féticheur. They come to the church, they go to the fetishist. Ils viennent à l'église, ils ont les bagues magiques. They come to the church, they have magic. Ils viennent à l'église, ils ont les talismans. They come to the church, they have amulets. La sœur, en fin d'année, elle fait le sacrifice à l'homme de Dieu pour sceller la prophétie. At the end of the year, she made the sacrifice to the man of God to seal the prophecy. Et quand la fin d'année arrive, at the end of the year, le poste est vraiment dégagée et elle est la seule personne qui postule dans l'ONG. She's the only person who applies in the NGO. Elle a composé.
She wrote the test. Elle a donné son CV. She gave her CV. Et quand il faut donner le poste, when they have to give on est parti chercher quelqu'un qui n'a même pas postulé, on l'a mis au travail. They took someone else who didn't apply. Elle pose la question à Dieu, est-ce que ton homme, est-ce que ton prophète a menti? She questioned God, did your prophet lie? Non, le prophète n'avait pas menti. The prophet had not lied. Elle finit la prière. He finished praying. Quand elle se couche, elle dort. When she slept, elle fait le rêve. She had a dream. Elle a un bac plus 5. She has a master degree. Elle se retrouve en train d'être ménagée dans la boulangerie de sa tante. She's working in the baker shop of her aunt. Dans le rêve, in the dream, elle est ménagée dans la boulangerie de sa tante. She walks the ground in the baker shop of mais physiquement, but physically, elle a bac plus 5. She has a master 2 degree. Il y a des gens ici, tu as les diplômes, you have degrees, mais ta fondation t'établit comme un pousseur. Your foundation establishes you as a scoundrel. Tu es belle, you are beautiful, tu as la grâce, you have a grace, mais ta fondation t'établit comme une prostituée. Your foundation establishes you as a prostitute. Ce que tu vis est contraire à ce que tu espères, what you live is contrary to what you hope, parce que c'est ta fondation qui t'impose ce que tu dois vivre. Foundation imposes you what you must live. Spirituellement enchaînée. Spiritually her unchained her up. Avec le concours de son père. With the exam. Et je lui pose la question. Qu'est-ce que ton père a fait? What did your father do? Mes amis. My friends. Ne venez pas jouer à l'église. Hein. Welcome to play in the church. Cherchez les prophéties. Hein. Seek prophecies. Vous n'êtes pas délivré. You're not delivered. Vous allez courir. Avec toutes les prophéties dans le ventre. All prophecies rien in your ne belly, va changer. Nothing will change. Si vous n'êtes pas délivré. If you are not delivered. C'est pour ça que je suis choqué de voir les gens. I'm shocked to see people, vous connaissez vos vies. You know your life, mais vous restez à la télé. But you just watch vous ne venez pas à l'église. You don't come to the church. Vous connaissez ce que vous traversez. You know what you are going through. On dit voici les temps de délivrance. These are the times of deliverance. Quelqu'un chez lui dit ah le pasteur s'y prêche bien. Somebody is at home and say I'm preaching bien. Well. Listen well. Je m'en fous de vos appréciations. I don't care about your appreciation. Je veux vos délivrances. I want your deliverance. Ce qui est important c'est ton succès et non le fait que je prêche bien. What is important your success is not the fact I preach well. Ne reste pas chez toi à apprécier mes prédications. Don't stay at home to appreciate my preaching. Déplace-toi viens chercher ta délivrance. This place to come and take your deliverance. Bac plus 5. Master 2 degree. Mais elle ne peut pas travailler. But she cannot work. Je vais te dire ce que j'ai dit au premier culte. I want to tell you what I said in the first. Quand tu es un membre de ta famille qui est membre d'une société secrète. When your family member is member of a society. Une loge mystique. A mystical sect. Deux choses qu'il fait avec tous vos noms. Two things he does with all si your names. Si c'est un oncle, c'est une tante, c'est un beau-père, c'est un cousin. An uncle and aunt, a father. C'est automatique. It's automatic. Il fait deux choses. He does two things. Il aligne vos noms. He lines up soit your name. Comme des sacrifices. As sacrifices. Des hypocrites. Soit comme des héritiers. Soit tu es sacrifice, either you're sacrifice une hypothèque an hypothèque dans une société secrète in a secret pour society, que la personne fait ses affaires marchent. For the person to go ahead, soit on t'a choisi or you were comme celui qui va le succéder. Écoute-moi bien. Listen. Si tu as été choisi dans le monde spirituel comme successeur d'un sorcier, cherche Dieu fort. Yes. Et une soeur qui est aux États-Unis, je lui ai dit récemment told her, que ton problème n'est même pas ta belle famille. Your problem is not your family. Ce n'est même pas le père de ton enfant. It's not even the father of your child. C'est le nom que tu portes. But the name you bear. Elle a dit, she said, moi, mon successeur, my successor, c'est elle. Is donc quand je meurs, when I die, faites-la asseoir sur mon trône. Make her sit on my je lui ai dit, maman, on peut prier à distance. Can pray at distance. Mais ton travail, on va faire ça quand tu vas arriver au Cameroun. When you come to Cameroon, on va aller dans ton village à l'ouest. Go to your village on va aller casser le trône là. To break that throne. Il dit, continue de faire les prières avec les prophètes, il n'y a pas de problème. Ça retarde les effets de ce qu'ils font. Mais ta vraie délivrance, c'est quand tu viendras au Cameroun. On va démarrer les voitures. On va aller là où la mère avait parlé. Je vais aussi parler là-bas. Donc je lui ai dit, fais ce que tu veux. Mais sache que... C'est là qu'elle commence à se rappeler tout ce que la maman la disait. She remembered about all what she was saying. La mère avait interdit que la fille s'accouche. She forbade her to give birth. Pour que la fille s'accouche, elle a accouché à plus de 40 ans. She gave birth more than 40 years. L'enfant l'a souffert. She had suffered. Et jusqu'à présent, l'enfant est menacé. Until now, she's parce threatened. Que le trône a interdit à cette fille d'avoir l'enfant. Because the throne forbade her to have... Tu peux être en train de te débrouiller, you can be struggling, de te débattre, you can pour fight, concevoir, you can see, mais il y a un trône dans le village, a throne in the village à cause du nom que tu portes, because of the name you bear, qui a établi une fondation dans ta vie en disant que toi, tu n'es pas une femme. Tu es un homme dans le monde spirituel. C'est toi qui dois commander et non faire les enfants. L'enfant entre, ça sort. L'enfant entre, ça sort. Tu fais les affaires, ça échoue. Parce qu'on te réclame au village à cause d'une fondation. Cette semaine, je prophétise. Cette semaine, je prophétise. Une fondation satanique qu'on a établie pour te bénir.
perturbé. Toute fondation diabolique qu'on a établie pour te déranger. Toute fondation diabolique qui te réclame dans la famille. Qui te réclame dans le village. Qui réclame ton mariage. Qui réclame ton étoile. Qui réclame tes affaires. Qui réclame ta vie. Je parle à toute personne issue d'une famille de chefferie. Issue d'une famille royale. Les réclamations contre ta vie. Les réclamations contre ton étoile. Les réclamations contre ta destinée. Les réclamations contre ton avenir. Toute fondation satanique à cause du nom que tu portes. À cause de ton homonyme. À cause de ta famille paternelle. À cause de ta famille maternelle. Je prophétise, je déclare. Toute fondation satanique qui réclame ta vie. À cause de l'argent qu'un sorcier t'avait donné. À cause de l'aide qu'un sataniste avait fait pour toi. Je prophétise cette semaine. Les forteresses sataniques tombent. Les fondements sataniques sont brisés. Les fondations diaboliques sont brisées. Je te libère cette semaine. Amen. Je te libère cette semaine. Amen. Au nom de Jésus. Assieds-toi, je te parle. Tu es belle, hein? Beautiful. Dans la fondation, tu vois comme un homme. Foundation sees you as a man. Même si tu as deux enfants, ils vont mourir. Hein? Even hey, 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 donc, écoutez. Hey. Ce que je vous explique là, ce n'est pas le jeu. Hein? It's not a game. Tu t'es battu pour accoucher. Mais dans le monde spirituel, tu es l'homme. Tu es un roi là-bas. King there. On tue tes enfants. Hein? They kill your children. Hmm. Enfant à 7 ans, petit palu meurt. The child has 7 years, parce qu'on, qui t'envoie accoucher? Who sent you to give birth? Quand ton propre père when your own father a établi une fondation, establish a foundation en t'appelant son successeur, toi, madame, calling you his successor, tu es successeur d'un homme. You are the successor of a man. Tu crois que tu es femme? You think you're a woman? Hmm. Les gens ici, ton village t'appelle. Your village calls you. Ta famille ne veut pas que tu te maries. Your family doesn't want you to get married. Tu es la prostituée de luxe de la famille. Mm. Ramène-nous l'argent. Bring us back pas de mariage. But no marriage. Ne cherche pas la délivrance. Don't seek deliverance. Tu dis que tu es belle. Say you are beautiful. Cette semaine, this way, même si la fondation là, c'est ton père qui a établi ça, je le racle d'abord. Even if your father established a foundation, I clouds you. Même si c'est ta mère qui a établi, je la chandelise. Even if your mother, toutes les fondations her qui veulent bloquer ta vie seront terrassées. Amen. Ton amen m'énerve. Amen. La forme de ta vie form of your life épouse la forme de ta fondation. Takes the form of your foundation. La dimension que ta vie prend, the level your life takes, est fonction de la capacité que ta fondation a à accueillir cette dimension. Depends on the ability your foundation has to welcome that dimension. Mes amis, my friends, je veux te dire une vérité. I want to tell you a truth. Il y a les parents inconsciemment qui ont dédié leurs enfants aux démons. Parents unconsciously dedicated your children to demons. D'autres ont dédié consciemment. Others dedicated consciously. Soi-disant pour soigner l'enfant. To treat the child. On a dédié l'enfant à un démon. Dedicated the child to a et demon. Et tout ce que l'enfant là va faire. Or what the child will do. C'est le démon qui va décider. The demon will decide. Parce about que c'est établi à partir de sa fondation. It's established as from his foundation. Laisse-moi te dire. Let me tell you. Je l'ai dit au premier culte. I said it to the first. Et j'aime le dire dans cette église. And I like to say in this church. Dans la Bible. In the Bible. Toute personne. Les gens qui ont été utilisés par Dieu sans traiter avec leur fondation ont été rattrapés par leur fondation à la fin de leur vie. Moïse est issu d'une famille de colère. Moses is coming from a family where there was anger. Lévi, qui est son ancêtre, c'est quelqu'un de colérique, très très fâché, très nerveux. Levi, his ancestor, was so choleric. Il y a les gens ici, tu es colérique, tu ris rien. C'est ça qui va te gâter la vie. That's what will spoil your life. Cherche pas délivrance. Don't seek deliverance. Soyez même comme ça, soyez laisse. On va laisser une fois, laisser deux fois, laisser. C'est au quatrième mariage que tu vas chercher la délivrance. At the fourth marriage, you will seek deliverance. Tu sais que c'est un problème pour toi, le chat vivant, tu te vantes. You know, it's a problem for you, instead of seeking deliverance. On se vante quand les démons veulent nous détruire. Do we boast when demons want to destroy us? Les péchés que vous croyez que c'est les petits péchés sont dangereux. The things you sins you think are small. L'apôtre Paul dit que si vous vous mettez en colère, ne laissez même pas que le soleil se couche sur votre colère. If you get angry, do not allow the sun to set. Il y a des gens anger à l'église, des dames surtout et les hommes même. People in the church, ils ont une capacité à se mettre en colère. They have ability to get angry. S'ils ne cassent pas tout, ne laissent pas. If they don't break everything, they do not leave. Moïse. Moses. Genèse 49, verset 5. Siméon et Lévi, son frère,
Leurs glaives sont des instruments de violence. Oui, c'est des violents. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Voilà le père Jacob qui bénit, mais lui dit, les gens s'y sont violents. Je ne me mélange pas à ce qu'ils font. Maintenant, Moïse naît. Moses was born. Il grandit chez Pharaon. He grew in Pharaoh's house. Dieu le choisit. God chose him. Dieu le oint sur le buisson ardent. God anointed him on the burning bush. Il voit Dieu face à face. He saw God face to face. Il prend les tables de la loi deux fois. He took the tables of the law twice. Il intercède pour le peuple. He intercedes for the people. Mais sa fondation dit colère. His foundation says anger. À la fin de sa vie, at the end of his life, il veut entrer à la terre promise. He wants to get to the promised land. Il se met en colère. He got angry. Et Dieu le bloque. And God blocked him. Moïse a vu Dieu face à face. Moses saw God face to face. Mais la colère de Moïse l'a arrêté. But his anger stopped him. La chose qui a combattu Moïse au début, c'est la même chose qu'il a rattrapé à la fin. What fought Moses in the beginning is the same thing that he covered at the end of his life. Quand tu regardes when you look l'histoire de Gédéon, at Gideon's story, le problème de Gédéon qui rencontre Dieu, Dieu lui dit, his problem when he met God, God told him, l'autel. Otter. Ton père adore un pieu sacré. Your father adores a sacred renverse pillar. Ça. Break it down. Gédéon a renversé. Gideon broke sa it vie down. A prospéré. His life à la fin de sa vie. At the end of his life. Gédéon a l'oisiveté. Gideon idleness. L'idolâtrie l'a rattrapé. Idolatry. Gédéon a fini sa vie idolâtre. He ended idolatry. Ne soyez pas surpris. Don't be surprised. De voir des gens servir Dieu. You see people serving God. Quelque temps après. But sometimes ils rentrent adorer les statuettes. They return to adore statues. C'est la fondation qui n'a pas été détruite. The foundation that was not destroyed. Plus de normal. Who peut connaître le Seigneur, l'adoration, la louange, la présence de Dieu, rentrer dans les milieux bizarres où on ne sait même pas prêcher là. Tu es normal. C'est Are que normal? C'est ta fondation qui aime ça. Some foundation that likes that. Non, c'est dans les églises. Moi, j'ai fait les églises, hein, mais j'ai vu qu'il n'y a rien. Je me fais rester catholique. J'ai fait les églises, hein, mais j'ai vu qu'il n'y a rien. Hé, hey, c'est pas de ta faute. Ta fondation dit adore les statuettes. Your foundation says adore statues. C'est pas de ta faute. It's not your fault. Ta fondation aime adorer les statuettes. Foundation likes your adore statues. Donc quand tu vois quelqu'un à l'église, when you see someone in the church, servir Dieu, serving God, motivé, engagé, à cause d'un problème, because of just one problem, rentre dans les fétiches. Return in fetish. C'est sa fondation. It's his foundation. Moi, je ne suis pas venu pour servir Dieu. Je ne suis pas venu pour écouter la parole. C'est ta fondation qui t'empêche. Qui te... Quand tu es à l'église, même, tu n'es même pas content. When in the church, you are not happy. Mais quand tu es au bar, but when you're in the beer tu danses house, sur les baffes. You dance on the bar. Tu as plus de joie au bar qu'à l'église. You're more enjoying the beer house rather than tu as plus church. De joie you're more enjoying dans les lieux bizarres que dans la présence de Dieu. Parce presence. Que ta fondation, because your foundation te dit ce que tu dois aimer. Tells you what you must love. Gédéon finit sa vie idolâtre. He ended his life idolatry. Daniel, Daniel arrive à Babylone. Il refuse de boire le vin. Refuse to drink wine. Et les mets du roi. And royal food. Daniel chapitre 1. Daniel chapter 1. Il dit, je ne bois pas le vin. I won't drink wine. Mon Dieu ne m'a pas permis. My God did not permit. Daniel chapitre 12. Daniel chapter 12. La Bible dit, the Bible says, sur la table de Daniel, the table of Daniel, il y avait le vin. There was already the wine. Au début de sa vie, beginning of his il life, a refusé le vin. Refused to drink mais wine. Comme il y avait ça dans son sang, as it was in his à la blood, fin de sa vie, the end of his ça l'a rattrapé. Écoute-moi, listen. Les choses que tu combats au début, combats-les jusqu'à la fin. Yes. Si tu les as domptées maintenant, ils ne vont pas te lâcher. Ils vont te pourchasser. Les esprits qui ont combattu ton père ne vont pas te lâcher. Les esprits qui ont paralysé ta mère ne vont pas te lâcher. Combat! Yes. Le grand Daniel. Daniel. Fais quoi avec le vin sur la table? What does he do with wine? Alors qu'on est chapitre 1. We went chapter 1. Moi, je bois pas le vin. He denied to drink wine. Mon Dieu ne permet pas. My God doesn't permit. Quand les esprits là commencent à te déranger. When the spirits start disturbing you. Il ne respecte pas ton titre de prophète. Et d'ailleurs, c'est un prophète majeur. The major prophet. Il fait partie des grands prophètes de l'Ancien Testament. It's part of the great prophets of the Old Testament. Il n'est pas prophète mineur comme les Osée, les Abdias et autres. It's not a prophet like Hosea and Obadiah. Daniel est prophète majeur. Daniel is a major prophet. Sa fondation, his foundation, l'a ramené dans ce qu'il refuse au début. Brought him back in what he refused. Mes amis, soyons vigilants. Let's be vigilant. Être consacré pasteur. Being consecrated ne pastor. Ne tue pas la sorcellerie dans notre sang. Doesn't destroy witchcraft in our blood. Être consacré ancien. Being consecrated elder. Ne nous rend pas exempt de chercher la délivrance. We must seek deliverance. Même si tu es consacré avec un titre à l'église. Even if you are consecrated ton to the temple of the church, cherche la délivrance. Seek deliverance. Regarde la vie de ton père.
Regarde la vie de ta mère. Cherche la délivrance. Jésus sort d'une famille, d'un village appelé Nazareth. Le village des rejetés, des humiliés, des abandonnés. Rien de bon ne peut venir de Nazareth. Donc Jésus commence sa vie dans un village de rejet, d'humiliation, d'abandon. Il commence le ministère. Les foules viennent. Il convertit 5000 personnes. Il nourrit 5000 personnes. Partout où il arrive, il a la renommée. À la fin de sa vie, même ses apôtres l'ont fui. Même les apôtres Pierre, ils ont fui. Jésus vient d'où? De Nazareth, un village abandonné. Jésus, homme, au début, il vient du rejet. À la fin, il est rejeté. Que dit ta fondation, monsieur? Ne regarde pas les voyages que tu fais ces jours-ci. Un petit problème, tu te retrouves en prison et tu perds tout. Ne compte pas sur l'argent pour être heureux sur la terre. Compte sur le Seigneur. Ne compte pas sur ta beauté pour être heureux sur la terre. Compte sur le Seigneur qui te délivre. Quand tu as un peu d'argent, le mépris s'installe. Maintenant, tu associes de temps en temps la prière à ce que tu fais. Tu arrives là le dimanche, tu crois que tu viens remplir une formalité le dimanche. You come to church on Sunday to fill a formality. Écoutez-moi bien. Listen well. Voici la semaine où même si tu blaguais, in this week, even if you were joking, tu ne dois pas manquer. Don't miss. Si tu n'es pas dans la ville, if you are not in the city, sois connecté à tous les cultes. Be connected to all the services. Si tu n'es pas dans la ville, city, sois connecté à tous les cultes. Be connected to all the services. Mais si tu es dans la ville, viens à l'église. Come to the church. En semaine, tu vois l'église, les anciens ne viennent pas à l'église. Mm-hmm. Je suis choqué. Dis, hey, l'église, on va arriver. Ils sont assis chez eux. Yes. On cherche la délivrance. Les gens sont assis chez eux. Nous, on était à l'église, on partait chaque jour, lundi à dimanche. We're going to the church every day for Monday. Tu n'as pas l'air, tu marches à pied. J'ai dit au premier culte. I said in the first écoutez-moi. Listen. Que vous ayez l'argent ou pas, venez à l'église. Whether you have money or not, come to the church. Le jour que tu as, tu payes l'offrande. Le jour que tu n'as pas, tu écoutes have, la parole. Listen to the word. Demain, tu auras. Tomorrow you will have. Yes. Oh, c'est l'église des riches. Là-bas, si tu n'as pas l'argent, qui a écrit ça où? Oui, c'est vrai. Numéro un, c'est l'église des riches. Mais on accepte quand même les pauvres. Yes. On n'a jamais chassé un pauvre ici. Never chase a poor man away. Parce que here. Tu t'appelles pauvre. Because you are called poor. Et comme tu t'appelles pauvre, as your name is qu'il poor, te soit fait selon ta foi. Let it be done according to your moi, faith. J'ai expliqué ici. I explained je here. Peux ne pas avoir l'argent. I might not have mais je ne suis pas pauvre. But I'm not poor. C'est tout simplement que je suis en train de passer par une période, I'm going through a period où j'ai un manque de liquidité. I have a lack of mais je ne suis pas pauvre. But I'm not poor. Mais je ne suis pas pauvre. Jamais. Le fait que je n'ai pas l'argent sur moi ne fait pas de moi un pauvre. Le fait que je passe par une période de sécheresse ne fait pas de moi un pauvre. Jamais. Mon Dieu, mon papa, l'or et l'argent lui appartiennent. Écoute, le fils d'un milliardaire est héritier. C'est la fille d'un riche est héritière. Il suffit seulement que son père s'énerve. Il gifle sa vie avec quelques milliers de dollars. Donc même si tu n'as pas de liquidité, parce que tu es de cette famille, tu es riche au nom de Jésus. Amen. Si ton voisin dit pas amen, dis tu prends pour lui. Amen. Dis amen, tu prends pour ton voisin. Amen. J'ai souvent entendu des bêtises, non? Quand on n'a pas l'argent, hé hé. Mais arrête, on ne va pas arrêter de parler d'offrande parce que tu n'as pas l'argent. What's on parle d'offrande pour celui qui a, celui qui n'a pas écouté la parole quand chez lui. Ne sois pas frustré ou complexé parce que tu n'as pas l'argent. Don't be frustrated because you don't dis have Seigneur, money. J'aurai. Say, Lord, I will have. Tu vois quand on a commencé à l'église avec l'argent. You think we sat in the church with money? Mais on était heureux de voir les autres donner en disant Seigneur, si on va donner. We're proud to see others. Quelques giving. Années plus tard, Dieu nous a bénis. Some years later, nous on a commencé à donner. We started giving. Et quand Dieu te bénit, when God blesses you, il ne fait suivre sa bénédiction d'aucun chagrin. His blessing is followed by no grace. Quand tu es vraiment béni par Dieu, tu montes sans descendre. Quand Dieu va yes. commencer à t'arroser avec l'argent, tu ne vas plus descendre. Oh. Cette année, ça va commencer. Tu vas monter, 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 amen. Monter, monter, monter. Je prophétise que tu auras, tu auras, tu auras, tu auras, tu auras, tu auras, tu auras. Dis, je reçois. Assieds-toi. Yes. Non, ce n'est pas l'église des pauvres, vous avez raison, c'est l'église des riches. The church of rich. Mais les pauvres, poor. On vous accepte. On a quand même pitié de vous, venez, il n'y a pas de problème.
Dis à ton voisin, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Dis à quelqu'un, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Écoute-moi, madame, aucun homme ne doit te manquer de respect. Tu n'as pas l'argent sur toi. Dis-lui que si elle te demande, c'est parce que je n'ai pas sur moi. Donc donne-moi un peu 100 000 là. C'est parce que je n'ai pas sur moi. Faut pas qu'on casse ton charisme pour 100 000 quand même. Pour une affaire de 50 000, tu manques. Même le gars sait que tu manques, tu fais que mentir. Il y a les soeurs, elle n'a même pas un peu le taxi. Donne-moi un peu. Tu as 500 là, je n'ai pas la monnaie de 2000. Je connais tous les fax là. Toi, tu peux pas me, toi, tu peux me cacher quoi. Tu n'as pas la monnaie de 2000 comment? Le taxi a la monnaie. Je suis en train de te dire que cette semaine. I'm telling you that this week. On va attaquer les mauvaises fondations. We'll attack bad foundation. On va parler des choses profondes. We are going to talk des choses qu'on a prêchées, des choses qu'on n'a pas encore prêchées. Things who have not yet preached. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 21 verset 19. Revelation chapter 21. La nouvelle Jérusalem avait pour fondation 12 piliers. Foundation of New Jerusalem was. Et chacun de ces piliers avait le nom d'un apôtre. 12 pillars that had the name of apostle. Chaque fondation de la vie d'une personne porte un nom. Every foundation in the life of somebody bears a name. Si ta fondation dit tristesse, même si on te fait rire, comment ta face va redevenir triste après avoir ri? No matter how we make you laugh, you'll become sad after laughing. Il y a des personnes, même si on leur donne l'argent, elles rient là. Après 5 minutes, elles ont l'argent dans la poche, mais elles sont encore fâchées. Si la fondation dit sécheresse, même si tu as quoi, ça va finir. If your foundation says dryness, no matter what you have, je finis en te posant une question. I finish by asking you this question. Quels sont les noms que porte ta fondation? What are the names your foundations bear? Si c'est des noms négatifs, on va effacer ça ce matin. If you are negative, then you are going to wipe this name this morning. Alléluia. Amen. La fiche, si tu n'as pas ça, on va te donner ça. Parce qu'on va travailler avec la fiche de délivrance. Vous qui êtes à l'étranger, écrivez au pasteur, on va vous envoyer ça. On va travailler avec la fiche de délivrance sur les fondations. Tu dames. Yes. Tous ceux qui sont à l'étranger, c'est la délivrance. On n'est pas dans les grandes prédications cette semaine. On explique tout ce qui est écrit ici. Quand on te demande qui est ton père, on ne demande pas son nom, hein. On demande sa vie. Parce que c'est sur la vie de ton père. Écoute, quand le spermatozoïde de ton père rencontre l'ovule de ta mère, toutes les informations de la vie de ton père sont dans le spermatozoïde. Yes. Donc en réalité, tu portes toutes les malédictions, tout ça c'est dans ton sang. Tout! Il y a ce qu'on appelle les gènes récessifs, non? Tu connais, non? Ou bien tu avais zéro en science quand tu fréquentais. C'est-à-dire que c'est dans ton corps, mais ça ne se fait pas voir. Ça attend le temps opportun pour te rappeler que toi, tu es pauvre. On veut te donner 10 millions. La main de la personne pèse. Il y a une soeur ici, quand j'ai prié, elle est passée, Dieu a commencé à la bénir. Elle commence les affaires. Son petit frère vient voler, c'est son frère, grand frère, il vient voler 1 million le téléphone. Récemment, elle gagne un marché. Les personnes du marché l'appellent. Elle est à l'église. Elle pas chercher l'argent, il se retrouve à Santa Lucia. 4 millions pour faire le marché. On a payé le marché cash, 4 millions. Quand elle rentre chez elle, la nuit là, on a volé. Je ne sais pas si je vais la consoler ou la taper. Tu sais qu'elle a la qualité au premier marché, donc moi je garde. Je vous dis une vérité. Quand vous savez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire pour le moment, laissez-en faire pour vous. C'est ça. Quand je vous encourage à acheter les terrains et autres, je contrôle parce que je sais que tu peux te retrouver dans ça comme ta mère n'a pas fait ça. Ça peut te tuer. Il y a des projets que vous avez comme idée. Laissez-nous vous accompagner. Si on t'a maudit que tu ne dois jamais construire, ne construis pas seul. Laisse qu'on t'accompagne pendant que tu construis. Tu as commencé une construction, ça fait des années, ça ne finit pas. Ne fais pas ça seul. C'est pour ça que dans l'église ici, tous ceux qui construisent, ils envoient le pasteur Loïse contrôler. Pas parce que vous n'avez pas les chefs chantiers, les maçons. C'est que lui là, c'est mon commando. Yes. Écoutez-moi bien. Ne croyez pas qu'on est venu jouer ici.
Si on a dit à ta mère que pas de construction, ton père a construit les morts, toi ne fais pas si on n'est pas là. Laisse-nous venir mettre la main. Yes. Dès qu'on commence à prier, tu as un peu d'argent, tu commences l'orgueil. Ils vont te tuer. C'est ton sang, hein? C'est ta famille. Hein? Ils te connaissent. Ce qui a arrêté ton père, tu crois qu'il va te laisser? Dès que j'ai prêché à acheter les terrains, les gens ont commencé à acheter les terrains en cachette. Après, ça s'est encore arrêté. Vous avez arrêté pourquoi? Parce qu'on fait croire que c'est l'argent qui nous intéresse. Ce n'est pas votre argent qui nous intéresse. C'est votre réussite. Quand les fiançailles sont bloquées, oh papa, il faut prier. Dès que le gars commence à rire, tu disparais de l'église. Il va te gifler là-bas, tu vas revenir. Pourquoi vous aimez faire semblant d'aimer Dieu quand il y a les problèmes? Une soeur vient me voir et me dit, papa, je ne comprends pas ma mère. Ma mère s'occupe de sa petite soeur plus que nous, ses propres enfants. Sa mère est en France. Donc, elle ne s'occupe d'aucun de ses enfants. Seulement de sa petite soeur. Ils ont les problèmes. Hein. Alléluia. Amen. On ne va même pas prier ce matin. On va prier mercredi. Donc tout à l'heure, si tu n'as pas cette fiche, qui n'a pas la fiche ici? On va donner ça à la fin du culte. On va commencer à travailler avec ça mercredi. Toi qui es connecté, hein, demande au pasteur et on va te donner. On va prier en semaine avec. On va expliquer ça en semaine. On va prier avec. Je prie pour toi qui es assis. Pray for you who are seated. Que cette semaine, may this week, toutes les mauvaises fondations, all the bad foundations qui ont attaqué la vie de ton père, that attack your father's life, et qui sont en train d'attaquer ta vie, that are attacking your life, soit terrassé au nom de Jésus. Be destroyed in Jesus' name. Que toute mauvaise fondation qui ont contrôlé la vie de ta mère et qui sont en train de contrôler ta vie soit terrassée au nom de Jésus. Amen. Que toute fondation négative liée au mauvais nom que tu portes soit paralysée, exterminée au nom de Jésus. Amen. Nous effondrons les fondations de pauvreté. Amen. Nous effondrons les fondations de stérilité. Nous effondrons les fondations de misère. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.